Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir là-haut. Et bonsoir en bas. Hop, 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 bonjour, bonsoir. Et bonjour là-haut, tout là-haut. Et bonsoir à vous donc. Nous sommes ensemble pendant une petite heure. Aujourd'hui, vendredi, un ni oui ni non à la fin de cette émission. Donc, un ni oui ni non à la fin de cette émission, vous le verrez tout à l'heure. Nous allons accueillir celui qui va passer cette petite heure avec nous. C'est un chanteur, il sort de tournée, de clips, etc. Donc, il est vraiment en pleine bourre actuellement. Voici Louis Bertignac, mesdames et messieurs. Mesdames, messieurs, Louis Bertignac, un accueil chaleureux, le voici, le voilà. Comment allez-vous, Louis? Merci, très bien. Pleine forme? Régal. Très bien, vous allez être très participant hein, tout à l'heure, parce qu'il y a un ni oui ni non, donc ça comme va être très chaud. Hein. Nous allons aller nous installer immédiatement pour rejoindre ceux qui normalement devraient déjà être assis, c'est-à-dire Franck et Patrice Carmouze. C'est parti. Et ils sont assis. Vous êtes assis. Ouais, c'est réglé. Ah bah oui. C'est réglé comme du papier à musique. Louis, vous avez une petite fourrette pour mettre ici. Oh. Vous avez oublié? Ah. Bon alors, on va voyager un petit peu. Ça, c'est parce qu'on m'a dit que vous aimez bien la conduite, alors c'est bon. Comment ça va, Patrice? Ça va bien. Bonne journée. Oui. Bonne, il fait un temps absolument magnifique. Magnifique. Franck, très bonne journée. Bien. Impeccable, très bonjour. Bien. Bonjour. Tout le monde va bien là-haut? Tout le monde est bien installé? Bien. Je peux avoir un petit mal au... Comment? Un petit peu mal au cœur? Oui. Un petit peu mal au cœur, très bien. Franck, une petite revue de presse. Chaque semaine, Franck vient nous voir. Et là, c'est pour débuter l'émission, les faits essentiels de l'actualité. Alors là, c'est complètement essentiel, c'est dans Vital. On a la liste de tout ce qui bloque les hommes et les femmes, tous les petits trucs qu'on appelle généralement les tue-l'amour. Oui. Il faut le savoir, il y a d'accord. plein de trucs. Bon. Très bien. C'est vrai que des fois on est amoureux, on remarque un petit détail, et hop, un petit détail anodin, un petit truc sans importance qui casse tout le charme. Alors il faut savoir par exemple que les femmes détestent par-dessus tout les hommes qui ont les ongles trop longs. Dis donc, vous avez les ongles longs, Louis. Non, non. Montrez-moi. Oh, ça va pour oh, un ça va, ça va. Ça veut dire qu'on ne se les ronge pas, déjà. C'est pas Confucius, quoi, ouais. Déjà. Elle déteste les hommes qui ont des poils dans les oreilles. J'en ai un peu. Comment, Patrice? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, j'en ai un peu de poils. Un peu? Beaucoup? Bah, je pense que là, il faudrait carrément une tondeuse à gazon. C'est large, ça. Je me demande s'il n'y a même pas des taupes dans les oreilles, là. Il y a des grosses touffes. Ah, des... Cela dit, le poil pousse avec l'âge. Le poil pousse avec l'âge? Oui. Ah ouais. Quand j'étais petit, j'avais peu de poils dans l'oreille. Et plus tard? Et alors, petit à petit, ça s'est développé. Et, alors, et plus vous vieillissez, plus il y a des petites boules jaunes au bout des poils. Non, alors, c'est, la fin de semaine. Aux hommes. Franck, il déconseille aux hommes de se couper qui, les poils. Le journal. Le journal, ouais, ah. Parce que ça repousse plus dru. Ah. Après, ça fait vraiment des touffes, quoi. Et c'est, là, pour le coup, c'est franchement... Ce sont des poireaux, mais dans l'oreille. Mais dans l'oreille. Ouais. Bon, les femmes détestent aussi les cheveux. Ce qui est pas mal quand, pour les gars qui font de la moto ou des trucs en plein vent, il peut y avoir des petites touffes qui sortent et qui se couchent le long, là, derrière. Ça fait comme des petites, petites pattes. Vous avez des petites pattes, mais en petites nattes. Ouais, c'est mignon. Ouais, ça peut être mignon. Elles aiment ça. Elles aiment ça. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. C'est pour ça que Louis a les cheveux un peu longs sur les oreilles, parce qu'il a des grosses touffes cachées sous les cheveux. Mais Franck aussi. Écoute, Non, c'est difficile d'aller voir là, je ne sais pas. Si ça se trouve, j'ai des poils. Non. Bon, il y a trois bricoles. Elle déteste les cheveux qui sentent mauvais. Bon. Alors là, tous les quatre, on est nickel. On est nickel. Et alors, il y a un truc qu'elle ne supporte pas, là, je cite, c'est dans le journal, c'est les testicules qui ballottent hors du caleçon. En caleçon, et puis, bon. Mais enfin, c'est... Et ça, elle n'aime pas. Je veux dire, genre, fluff. Oui, un truc qui ballotte. Alors, on marche, ça ballotte. Mais ça fait mal, surtout. Ça fait mal, et puis, c'est pas beau à regarder, en tout cas, elle n'aime pas elles ça. Comment elles peuvent le savoir? Bah, il suffit de regarder. Bah, c'est le gars qui a des, boulettes au niveau des genoux. Oui, c'est comme ça. Ah, dis donc, t'as un kyste? Ben non, c'est une couille. Oui, oui. C'est quoi que j'entends? Gling, gling, gling. Ouais, ça. Bon, qu'est-ce que les... Il va falloir récupérer tout ça c'est au montage, tout. Les gars. Alors, mais il y a aussi des tas de trucs que les hommes ne supportent pas. Reprends. Ouais. Il y a aussi des tas de trucs que les hommes ne supportent pas chez les filles. Alors, les hommes ne supportent pas, d'une façon générale, les femmes qui ont des traces de fond de teint sur le col. Ouais. C'est pas très chic. Non, ici, là. Oui, là. Bon, on déteste les marques de collants sur le ventre. Quoi? Oui. C'est quand une fille les marques de collants sur le ventre. Ça, c'est quand la peau est déshydratée. La peau déshydratée marque beaucoup plus. Le matin, quand vous vous réveillez, si vous avez une marque de l'oreiller comme ça, c'est parce que vous êtes un peu déshydraté. Mm-hmm. Ou que le collant est très petit, quoi. C'est ça. Surtout quand vous avez les marques là, le collant est très petit. Bon, on déteste les poils des cuisses qui passent à travers le collant. Bon, ça doit être relativement rare. Ouais. Oui, mais enfin, on peut raser avec un rasoir électrique sur le bas, directement, sur le collant. Et puis... C'est pas des poils de cuisse. De C'est pas des poils de cuisse, s'ils sortent du collant.
Bah si, le collant c'est le nom des jambes. Ah, le collant comme ça, le ouais. collant de femme. Bon, on déteste les traces de rouge à lèvres sur les dents. Ah oui, oui. Hein et on n'aime pas non plus les filles qui ont des miettes dans le décolleté façon de garde à manger. Vous savez, les filles qui mangent et qui... Un lardon, un petit voilà. pois, ouais, un bout de jambon, ouais, un peu de taboulé, de l'œuf dur, de la mayonnaise et tout ça. Voilà. Façon écureuil. Si on parle de sexe... Ça, façon hamster. Hamster ouais. Si on parle de sexe, il faut savoir que les garçons ne supportent pas pendant l'amour que les filles les regardent comme ça dans le blanc des yeux, comme s'il ne se passait rien. Dans le blanc des yeux, ça fait que le mec, il est comme ça déjà. Ouais. C'est Scarabée, je vais t'expliquer la vie. Et les femmes, elles détestent qu'au moment crucial, les hommes disent, enfin, ou poussent, en, disent en. Disent en. Bûcheron. En. Voilà. Alors, j'en ai le disent, on n'aime pas que. Je veux dire que les femmes n'aiment pas les hommes qui s'extériorisent. Oui, en disant en. En. Ah, on peut dire. Voilà. Mais en, non. Et ouais. Ils disent. Oui, c'est ça, oui. Il y a un truc qui est pire que en, au moment crucial, c'est en. Ah, ouais. Alors là, c'est. Bon. Ça, j'imagine. Ouais. Ouais. Bon, sinon, dans réponse... Non, mais cela dit, il paraît que les femmes se méfient effectivement des hommes qui poussent des râles. Le... On peut faire ça, non ? Comment ? Vous faites comme vous voulez. On n'est pas obligé de faire « en », mais on peut faire des trucs. Quand même. On peut faire des trucs, mais « en », ça les bloque. Ouais. Hein genre... au moment propice, moi, ça marche. Moi, j'ai éternué au moment propice une fois. Sympa. C'était terrible. Ah ouais, sympa, ouais. Quelques chiffres essentiels. Il y en a qui pètent. Ouais. Quelques chiffres essentiels dans Réponse à tout, on apprend. Alors bon, c'est les chiffres de la vie. Quelques chiffres essentiels dans Réponse à tout, on apprend quoi ? On apprend que dans une vie, on dort pendant 23 ans. C'est pas mal. C'est gâché surtout. Oui. On marche pendant 16 ans. Ça, c'est chiant. On regarde la télé pendant 6 ans. C'est idiot. On passe 623 jours à rire et 50 jours à pleurer. C'est une moyenne. 623 jours à rire. À rire et 50 jours à pleurer. Ailleurs. Hein 9 ouais. fois plus. 8 fois plus. Oui, 8 fois plus. Bah, 600... Les hommes s'habillent. Attends, 623 par an ? Non, dans une vie. Je ne comprenais pas. 623 jours par an, c'est dur. Les hommes s'habillent pendant 177 jours. Ils s'habillent. Oui, ils passent 177 jours de leur vie voilà. pour à s'habiller. À passer des vêtements. Voilà. Et les femmes, c'est 531 jours. Donc elles s'habillent beaucoup plus. 5 fois plus, 4 fois plus. 4 fois plus. Les hommes se lavent pendant 177 jours. Ça, c'est vraiment... Alors, si on multiplie par 24 heures, ça nous donne le nombre d'heures pendant lesquelles on se lave. Et les femmes, pendant 730 jours. Cela dit... Donc, les femmes se lavent presque 7 fois plus que les garçons. C'est plus propre. Cela dit... C'est normal. C'est vraiment... Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Non, on devrait se laver autant. Les hommes devraient se laver autant que les femmes. Cela dit, c'est une moyenne. Il y en a qui se lavent pas pendant 3 semaines, et il y en a qui prennent 3 bains ou 2 bains par jour. Ou qui restent 3 quarts d'heure dans le bain. Combien de temps vous restez dans le bain, vous ? Franchement. 10 minutes. Ah non, beaucoup plus, quoi. Ouais, moi, le double. Ouais, moi, c'est entre 25 et 40. Et une demi-heure. Oui. Ouais, à peu près. C'est ça. Une demi-heure, hein. Ouais. Et puis, tantôt, on remet de l'eau chaude pour pas cailler. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire ça, par exemple, on se dirait, tiens, je vais m'habiller pendant 123 et après, jours, et c'est fini pour la vie. Et on vit à poil. Et après, je vais me baigner pendant 500 jours, c'est fini pour la vie. Et puis, vous faites pas chier pendant 500 jours dans la baignoire. 500 jours dans la baignoire, dort, c'est... Oui, je sais pas combien. Là, il faut rajouter de l'eau chaude, beaucoup. Hein, on pourrait pas. En fond, on fripe. Et alors, il y a un dernier chiffre. Si on additionne les petits et les gros besoins pendant une vie, pipi popo, ça occupe 160 jours. Mais non. Bah, c'est dans le journal. Mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Il y en a qui vont faire la grosse commission, ils prennent un bouquin, ils restent 2 heures. Et à d'autres, c'est Lucky Luke, ils arrivent, boum, 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 et c'est fini. On va mesurer le poids. 7 tonnes par. Oui, 7 tonnes hein, par. 7 tonnes de popo. Vous avez plutôt Lucky Luke ou. Super à faire. Quoi ? Je sais pas si je vais en parler. Bah on pourra tu couper. Tu mets une couche, tu sais, de plastique transparent là. Oui, je suis pas sûr que vous pouvez. Pour les aliments, tu mets ça sur la cuvette sous le truc qui se soulève. Le trône, oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Alors, les gens ne voient pas qu'il y a le plastique quand ils arrivent. Ils arrêtent. T'imagines, tu pisses là-dessus, ça gicle. C'est sympa. Alors, bon appétit. Vous avez bien chez vous. Bon appétit, monsieur dame. J'ai appris ça hier. Comme il parle de cuvette, dans New Woman. C'est un canard américain. On nous raconte une invention qui est nouvelle et qui fait un tabac aux États-Unis. Il y a un type qui a inventé une espèce de cuvette ? Non, il y a un type qui a inventé un truc qu'on met sur la cuvette et c'est un système qui marche par infrarouge. C'est vrai que les hommes ont tendance à faire pipi un petit peu sur la cuvette. Mais il n'y a qu'à la relever ! Oui, non, mais une fois qu'on a relevé, même si on relève, parfois on fait pipi sur les bords. Mais il n'y a qu'à viser. Et ça pose un problème aux filles. Ça pose un problème aux filles. Mais non, parce que les filles, elles remettent le trône et c'est propre. Ils disent que ça pose un problème aux filles. Non, la ça nuit. Ne pose... La nuit. Si, la nuit. La nuit. Mais la nuit, tous les chats sont gris. Oui, mais toutes les filles, parfois, se lèvent. Et si elles sont gentilles, elles n'allument pas la lumière.
Alors, elle se dirige dans le couloir. Déjà, on entend boing, boing, ouais, ça cogne partout. C'est pour protéger notre sommeil. Elle rentre dans les toilettes, elle n'allume pas la lumière, elle s'assoit. Elle n'allume pas la lumière dans les toilettes, mais elles sont maso. Non, elles sont gentilles, elles ne veulent pas nous réveiller. Ah, parce que vous dormez dans les toilettes, vous. Non, c'est juste les filles. Et c'est elle s'assoit, vrai. Alors, dans le meilleur des cas, c'est froid, et dans le pire, c'est mouillé. Alors, il y a un type qui a inventé un système. Et quand c'est l'hiver, c'est froid et mouillé. C'est froid et mouillé, parfois même gelé. Ouais. Alors, il a inventé un système à infrarouge qui est posé tout au long du beurre, en fait. Du beurre, avec un petit peu de pain. Et quand la jeune fille veut s'asseoir... Ça la brûle. Non, mais comme sur une piste d'atterrissage, ça s'éclaire. C'est ça, c'est pour lui montrer qu'elle est dans l'axe. C'est pour lui montrer qu'elle est dans l'axe, ça peut se poser, voilà. Elle peut faire pipi. Elle peut faire pipi, ça marche, c'est vendu aux États-Unis, ça cartonne. Très bien. Voilà. Nous, on a montré des trucs comme ça pour... Vous savez, la petite pédale qui soulève directement la cuvette. Bien sûr, oui. Si, je me souviens très bien, oui. Très bien, avec le pied, vous voyez. Sinon, dans le sun. Non. Non, ça n'a rien à voir, je m'excuse, Patrice. Si, ça évite de faire pipi sur la cuvette. De toute façon, en la relevant, ça aide déjà, les garçons devraient prendre une habitude, c'est quand ils vont faire pipi qu'ils relèvent le trône, ne serait-ce que par. Oui, mais il y a un monsieur qui a inventé une pédale qui relève directement la cuvette, vous voyez. Ce qui fait que vous n'avez pas à mettre la main, vous mettez le pied. On l'a montré, c'est pour ça que je disais ça, mais. On n'a pas. Ça fou. Non, c'est pas grave. Ça n'empêche pas de mettre la feuille de plastique. Bien évidemment. La feuille de plastique, il faudrait que vous nous expliquiez quand même. Ah bah non, mais j'ai expliqué. Vous mettez une feuille de papier. La feuille pour couvrir la bouffe, là. Le truc. Oui, c'est du cello machin. Cellophane. Cello, ouais. Bah, tu soulèves le trône. Le trône. Vous en mettez là. Tu mets ça. Vous refermez le trône. Voilà, et le mec, il croit qu'il n'y a rien, il pisse. Et s'il fait une grosse commission? Et une grosse commission, en principe, si le trône n'est pas trop épais, si. Il sent le plastique, c'est moins dégueulasse. Ouais, très bien. Sympa. Surtout si quelqu'un a fait pipi dessus avant. Oui, c'est ça. Ou si quelqu'un a vomi, ou... Je sais pas. Non, mais il peut y avoir un rat crevé aussi, enfin, je veux dire. Une petite dernière pour la pub. Une petite dernière dans le Sun. Attention. Ouais, une petite dernière. Dans le Sun, on apprend qu'il y a un officier de police qui a mis au point un système qui fait école aux États-Unis. La police. Ça permet au commissariat des États-Unis d'économiser le coût des chiens policiers, parce que c'est vrai que ça coûte très cher. Qu'est-ce qu'il fait? Il imite... Il aboie à la place du chien, quoi. Il court après les délinquants, et il dit « Attention, sinon je lâche les chiens », il aboie, ouhou, et les délinquants se rendent. Et la semaine dernière, il a arrêté comme ça deux voleurs. Voilà. En faisant boubou. En faisant boubou. Il dit « Attention, ou je lâche les chiens », il aboie, il fait bien, il a répété. Bien, ouais. Et puis, ouais. D'ailleurs, boubou, c'est peut-être un truc à récupérer pour les filles, si on ne peut pas faire « en-en ». Peut-être. Oui, mais pour les chiens policiers et tout ça. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est tout? C'est fini? Non, j'ai encore un autre truc. Bah, gardez-en peut-être pour tout à l'heure. D'accord, okay. Hein, oui. Comme on est dans le temps là, on est bien. Oui. Faut envoyer la pub, bien sûr, évidemment. On se retrouve, mesdames, messieurs, immédiatement avec Louis Bertignac qui a des idées tout à fait épatantes. Franck, Patrice et le tout team. A tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la Maison de la Radio pour cette deuxième partie de Coco C'est nous avec Louis Bertignac qui nous accompagne. Franck est resté parmi nous. Patrice, c'est un nouveau témoin, Patrice. Mais avant le témoin un tirage au sort avec une main heureuse de lui. Néanmoins, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Claude-Marie Vadreau, on va avec qui nous allons discuter d'ici quelques secondes. Vous avez un petit tirage au sort à faire, Louis. Il faut avoir la main heureuse, là, ce coup-ci. C'est toute une classe que vous allez faire gagner. Et qui va pouvoir aller à Disneyland, à Euro Disney, je veux dire. Euro Disney. Ça. Albert Camus, il s'appelle, dis donc, gars. Ouais. Ah non, c'est le lycée. Ah non, c'est le lycée, Albert Camus. Le professeur. Y a pas de nom. Si, c'est Madame No, prof d'espagnol à Bois-Colombes, classe de 3e 6. Bravo, madame, vous avez fait gagner à votre classe la possibilité d'aller à Euro Disneyland. C'est un week-end. Patrice ? Un week-end, donc à Euro Disneyland Paris. Ils seront hébergés à l'hôtel Cheyenne, qui recrée l'atmosphère d'une ville du Far West. Ils vont découvrir les nouvelles attractions, dont Indiana Jones et le Temple du Péril. Comme on voit tout ça. Le livre des contes de fées. Ils vont voyager gratuitement sur les lignes de la compagnie Air Inter. C'est-à-dire qu'ils vont aller de Bois-Colombes à Disney avec un avion d'Air Inter. Avec un avion d'Air Inter, ils se débrouillent après. Non, mais vous plaisantez, il n'y a pas d'avion. Non, mais eux, non, mais si jamais ils avaient été de Perpignan, par exemple. Mais oui, mais non, mais là, en l'occurrence, on a montré Air Inter et tout ça, il n'y a pas besoin d'Air Inter. Ils peuvent toujours aller à Strasbourg. Voilà, Air Inter leur offrira des billets pour aller ailleurs. Peut-être bien. Sûrement. Vous gardez. Alors, si on veut encore faire un tirage au sort, être tiré au sort. Je vais garder parce qu'avec vous. Et on écrit à l'adresse suivante, jeu Euro Disneyland. Zinland. C'est Dex 2424 92 242 Paris Concours. Voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas à essayer d'envoyer votre classe, tatati, tatata. Alors, Claude-Marie Vadreau, oui, on avait dit un Vadreau, peu, oui. Parce que... Grand reporter au JDD, et qui vient d'écrire un livre terrifiant, il y a marqué, c'est vrai. Nous sommes tous fichés. Ouais. Tous, vous aussi. Oui, tous. Tous. Oui, absolument, aucun doute là-dessus. On laisse des traces partout. Mais les adultes plus que les enfants, déjà, par exemple. Mais non, parce qu'il y a des cartes à puce pour entrer dans les lycées, maintenant. Alors, expliquez-nous ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tous fichés? Tous fichés, ça veut dire que, bon, dans tous les gestes de la vie quotidienne qu'on fait,
payer quelque chose avec une carte bleue, entrer dans son lycée, rentrer dans le parking, rentrer dans la boîte où on travaille, peut-être à TF1, il y a des cartes à puce d'ailleurs, rentrer dans un espace piétonnier, on rentre avec une carte, et, quoi, et l'ordinateur garde la mémoire. Vous allez au lycée avec des cartes à puce ? Un oui. Il y a eu un oui. Un oui. Que les oui lèvent la main, ce sera plus facile. Oui. Il y en a deux qui ont des cartes à puce. Bon, ça va. Vous inquiétez pas, ça va bientôt venir. Ça commence par la cantine, en principe. Une petite carte pour la cantine. Pardon, la cantine, ça y est. Le restaurant scolaire. Oui, oui. Non, ils sont d'accord pour la cantoche. Ils sont d'accord. La cantoche, bon, d'accord. Et ensuite, eh bien, ça note les absences, les retards. On met le bulletin trimestriel, on met tout. Et puis comme ça, les parents peuvent lire grâce à la carte et on contrôle. Et tous les mois, tous les soirs, on sort un listing des absences. Mais je croyais qu'il y avait un comité tout à fait sérieux. Une commission de surveillance, justement, qui s'appelle... Commission informatique et liberté. Ben, moi, je le croyais aussi. Alors, elle existe, cette commission. Mais comme il y a 320 000 fichiers en France, ils ne font pas face. Monsieur Fauvet est un monsieur très, très sympathique qui dirige cette commission. Oui, depuis des années. Depuis des années, ils font un travail extraordinaire. Mais 320 000 fichiers, comment vous voulez contrôler l'utilisation qu'on fait, savoir qui va avoir accès, qui va savoir les notes d'un lycée. Qu'est-ce que vous avez comme matériel éventuellement électronique ou informatique ? Est-ce que vous avez des cartes autres que la carte bancaire, par exemple ? Non. Non. Est-ce qu'une carte de téléphone, quand on téléphone dans une cabine avec une carte de téléphone, est-ce que ça laisse une trace de l'endroit où vous avez téléphoné ? C'est la seule qui ne laisse pas de trace. Si vous achetez une carte de téléphone dans un bureau de tabac, hop, vous l'achetez, elle est anonyme. Par contre, si France Télécom vous vend sa carte d'où on peut appeler de partout, eh bien, partout, il y aura la trace du coup de téléphone pendant un an. Le numéro que vous avez appelé et l'endroit d'où vous avez appelé. Ah, dingue, ça a servi récemment. Mais quand vous dites le danger des 320 000 fichiers, c'est si on pouvait faire des corrélations entre eux. Ça commence. Là, c'est interdit, non ? Oui, c'est interdit, mais ça commence à se faire. Les banques font des corrélations avec les impôts. Et puis, en fait, ce n'est pas le problème. On est tous suspects, finalement, dans une société qui utilise toutes ces traces. C'est ça qui nous a gênés, Louisette Gouverne et moi, c'est qu'on est tous suspects. Et moi, je n'ai pas envie, je ne suis pas suspect, je ne suis pas un délinquant. Pourquoi on me suspecte à l'avance ? C'est ça qu'on a voulu expliquer. Vous nous racontez d'où vous est venue l'idée du livre. Oui, comment vous avez découvert ça, grosso modo ? Eh bien, quand je me suis aperçu qu'on avait pu reconstituer le parcours de l'ancien ministre, M. Mélic. Oui, exact, avec sa carte de péage. Avec sa carte de péage qu'il n'avait pas. Alors, c'est ça qui est fantastique, parce que ce jour-là... Député, il était ancien ministre. Mais il avait ancien ministre. Oui. Ce jour-là, il n'avait pas sa carte de péage. Vrai ou faux, j'en sais rien. Il faut rappeler que c'était celui qui devait avoir rendez-vous. Alors, il devait normalement avoir rendez-vous avec Bernard Tapie, et selon l'heure à laquelle il avait passé le péage, cet alibi pour Bernard Tapie était valable ou non. Il aurait mis un carton pour 400 km, grosso modo. Et ce jour-là, il n'avait pas sa carte, donc il était suspect. Puisque d'habitude, il avait une carte. Ce jour-là, il ne l'utilise pas, on dit « Ah, vous êtes suspect ». C'est comme un jour, on suspectera ceux qui payent en espèces, en argent liquide. Si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà fait aux États-Unis notamment. Mmh. C'est suspect, on ne sait pas d'où vient l'argent. Alors qu'une carte, on sait. Est-ce que ça veut dire que plus la carte magnétique va être répandue, la carte à puce, plus la vie du propriétaire va être épluchée, peut-être pas, mais en tout cas fliquée. Oui. Fliquée. Et dans une entreprise, par exemple, il y a des entreprises qui existent en France où il y a un ordinateur qui note le moment où vous entrez dans l'entreprise, soit c'est le vieux pointage, c'est pas nouveau. Mmh. L'étage où vous allez, le bureau où vous allez, et à la fin de la journée, vous avez la liste de tous vos déplacements dans l'entreprise. Mmh. Il paraît que ça sert à mieux gérer le personnel. Bien sûr. Alors, c'est un peu gênant. On est vraiment tous suspects. Je crois que c'est ça qui nous a inquiétés. Est-ce que ça existe sur le plan médical ? Ça va bientôt exister, effectivement. Il va y avoir la carte de sécurité sociale à puce. Informatisée ? Qui a déjà commencé, je crois, dans certains départements. Ça a commencé, oui, dans l'ouest de la France, dans le nord de la France, et puis... Eh bien, on connaîtra toutes vos maladies. Vous allez voir un médecin pour vous faire réparer un peu le pied. Vous ne voulez peut-être pas qu'il sache que vous avez eu des maux d'estomac, que vous avez eu pour une femme une interruption de grossesse. C'est votre secret à vous. Vous n'allez pas le dire à un autre médecin. Et en plus, le médecin de votre entreprise ou le médecin scolaire éventuellement, il pourra consulter cette carte. Alors, il n'y a plus de secret. On devient totalement transparent. Alors, est-ce qu'on a envie de devenir totalement transparent ? Par exemple, la médecine du travail, on a un testicule plus petit que l'autre. Tac, tout le monde va le savoir. Oui, à commencer par votre patron ou votre patronne. Ah oui, donc quand on arrive au bureau, si tout le monde vous appelle n'a qu'une couille... Ben on a... Ça veut dire qu'il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites, voilà. C'est clair. Vous avez une carte à puce. Oui, c'est ça, oui. Ça veut dire ça. Oui. C'est ça le problème, c'est que rien ne reste jamais secret. Le métro, tous ces endroits-là où il y a des choses qui vont être de plus en plus informatiques. Le réveil téléphoné, si on se fait réveiller par le... Ça veut dire que tout le monde va savoir que vous avez été réveillé à telle heure et tout. Absolument, y compris va savoir si vous n'avez pas répondu au réveil téléphonique. Ça le note également dans le grand ordinateur des France Télécom. Pendant un an. L'information est disponible pendant un an. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Louis ? Il y a moyen de gruger. Oui. Ah, il faut acheter un réveil. Non, il faut utiliser. Tu sais, prends la carte d'un autre. C'est le meilleur moyen contre les traces. Hein. L'argent liquide, non, on ne vous donne pas. Celui-là, vous le procurez par une carte bleue.
ou par des choses comme ça. Oui, mais une fois. Au lieu d'être repéré 15 fois, je suis repéré une fois. C'est déjà mieux. Donc, on ne va pas refuser l'informatique, on s'en sert tous. Mais il faut faire attention à ces traces qu'on laisse. Oui, enfin, il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser faire, quoi. Non, mais vous dites en même temps que, oui, mais pas se laisser faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'est pas assez protégé, en fait. Ben, vous n'êtes pas forcé de donner une carte pour passer le passage de l'autoroute. L'argent liquide, ça marche. Ouais. Et à chaque fois qu'on peut éviter de le faire, on n'est pas forcé d'accepter. Hier, moi, j'ai été discuté avec le directeur du personnel dans mon entreprise au juin du dimanche pour lui dire non, il y a des choses qu'il ne faut pas faire du point de vue du contrôle des entrées. De la liberté individuelle. Voilà, du restaurant d'entreprise, c'est comme la cantine, qui notait chez nous jusqu'à hier ou avant-hier ce qu'on mangeait, à quelle heure, etc. Je dis, c'est peut-être pas la peine de conserver ça en mémoire. Est-ce que quelqu'un a accès à ces fichiers? Par exemple, la police, est-ce qu'elle peut avoir accès à tous ces fichiers? Bien sûr. Oui, sur commission rogatoire, elle peut avoir accès. Alors, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a maintenant des enquêteurs privés qui travaillent pour des groupes d'avocats qui n'ont théoriquement pas le droit d'avoir accès à ces renseignements. Et pourtant, ils ont accès, ils savent convaincre les banquiers. Ils donnent un petit bac. Tiens, je te donne deux cartes à plus. Oui, un échange de services. Un échange de services, ça se fait. Non, ça vous affole pas? Mais ça me fait pas trop peur, non. J'en ai rien à foutre qu'ils sachent que j'ai fait ci ou ça. S'ils ont envie de le savoir, voilà, qu'ils le grosso sachent. Grosso modo, il n'y a à s'inquiéter que si on a des choses à cacher, grosso modo. Et si on a des choses à cacher, on peut toujours m'habiller à échanger les cartes avec des potes et des trucs comme pas ça. Seulement, je crois qu'il faut s'inquiéter parce que ça ne s'arrête pas. On va savoir de plus en plus de choses sur chacun d'entre nous et ça me fait un peu peur. Par exemple, on parle beaucoup de la résistance en ce moment. Oui. Comment voulez-vous faire une résistance à un occupant quelconque si tout est informatisé, si les cartes sont infalsifiables, pas etc. Faux. Impossible. Pas faux. Impossible. Tout le monde est pris, tout le monde est repéré. Ouais. Sauf si on ne sert plus des cartes. Oui, mais il faut vivre. Et pour vivre, si on est dans un système à cartes, il faut utiliser les cartes. Oui, donc il faut garder un système mixte avec le choix. Absolument. Merci beaucoup. Claude-Marie Vadrault, Louisette Gouverne, auteur de Tous fichés. Le voici, le voilà. Mission force. Merci. Patrice. Alors, on va passer à l'actualité de Louis. Oui, l'actualité. En fait, Louis est venu nous voir plutôt en camarade, oui, parce que son actualité, c'est vrai que c'est toujours elle et Louis qui est dans les bacs, comme on dit encore dans les magasins, mais c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'en parler à son dernier passage ici, avec donc 11 titres et un bel album. Il y a un single qui est extrait qui s'appelle Vas-y Guitare, que voilà, on vous voit quasi nu. Énervé, j'imagine, sur scène. J'ai enlevé le haut, sur scène. Voilà. Et puis, il y a une autre actualité, c'est que vous êtes en ce moment en tournée, c'est presque la fin, il reste deux dates. Je crois que vous serez samedi soir, demain, au Luxembourg. Ouais. Et vous serez le 2 juillet à La Courneuve, à Paris. D'accord. En extérieur. Et le 21 juin à Bordeaux. Et le 21 juin à Bordeaux. Ouais. Ah, très bien. En extérieur, ouais. En extérieur, c'est quoi? C'est un chapiteau? C'est des endroits aérés? Ça doit être des endroits aérés. Des endroits aérés. Oui. Très bien. C'est-à-dire en cas de pluie. Qu'est-ce que vous avez fait combien d'endroits, combien de dates là, dans votre tournée? Une quinzaine. Une quinzaine. Oui. Et qu'est-ce que ça vous a apporté cette année, ces 15 visites avec les spectateurs qui sont venus vous voir? Beaucoup de plaisir. Ouais. Ouais, ouais. Vous avez été un petit peu partout. J'en avais besoin. Ouais, ça fait un bien fou. Vous êtes un peu partout. Mm-hmm. Ouest, est, sud, nord. Ouais. Où est-ce que vous sentez le mieux? Dans quelle région de France vous, sans dénigrer les autres, mais où est-ce que le public est le plus chaud? Il y a la région de Toulouse-Montpellier, il y a la région de Lille. Il paraît que Lille, oui, dans le nord, alors qu'on pense que les gens sont froids, au contraire, sont bien chauds. Bah oui. Ouais. Et il y a l'Alsace aussi. Ouais. Très bien. Bah oui. Bon. On va prendre quelques questions magnéto. Est-ce qu'on peut parler 3 secondes de la... Il y a une petite reconstitution du groupe Téléphone au Bataclan. Ouais. Il y a eu. Il y a eu. Enfin, pour une soirée exceptionnelle, quoi. Ouais, ouais. Mes 3 copains sont venus me faire la cerise sur mon gâteau. Oui, c'est-à-dire que vous étiez vous-même au Bataclan et voilà, ils sont venus après l'autre me rejoindre. Et ça fait un peu. Je les ai mis ensemble. Ça refait. C'était un peu d'émotion, non, je suppose. Nostalgie, ouais. ça vous a fait du bien et plaisir à tous. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon. Au public, oui, sûrement aussi. Ouais. À tout le monde. Ouais. À tout le monde. Ouais. Regardez bien les photos que vous allez voir là sur cet écran, entre A, B ou C. Regardez. Ah non, 1, 2, 3. Ouais. Allez Louis, 1, 2 ou 3. Une fille, un homme. Allez. Deux. C'est pas chiant. Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce qui rime pour vous avec amour. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui rime pour vous avec amour? Voilà. Non. Allez-y, répondez. Chut, s'il vous plaît. Pas facile, la pas vie, facile. La vie, ça rime, plaisir, ça plaisir. Plaisir, ça rime avec amour. Plaisir. Plaisour. Plaisour. Voilà, plaisour. Voilà, on va prendre. Bah, voilà, deuxième proposition, regardez bien. 1, 2 ou 3. J'aime. Non, 1, 2 ou 3. 1. Allons-y. Est-ce que vous faites vos carreaux vous-même? Est-ce que. Vous faites quoi? Je sais pas. Mais je sais pas. Attendez, on va reprendre la question. On va reprendre. Regardez, Louis. Regardez. 1, 2 ou 3. 1. 1.
Est-ce que vous faites vos carreaux vous-même? Non. Sinon, moi je suis disponible, c'est mon métier d'être laveur de carreaux. Ah, bien joué. Bah, on va échanger les coordonnées tout à l'heure. D'accord. Hein. D'accord. Une troisième, une nouvelle question magnéto, s'il vous plaît, allons-y. Un, deux ou trois? Trois. Trois. Chut, vous dînez avec qui ce soir? Eh, vous n'allez pas faire à chaque question des hurlements, parce qu'on n'entend pas questions, hein, les gars. Vous dînez avec qui ce soir? C'est ça? On va la refaire. Attention. Regardez les questions magnéto maintenant encore, Louis. Regardez bien. Un, deux, ou... Deux. C'est parti. Voilà, je voudrais savoir si vous avez déjà rencontré une de vos idoles. Ah ben ouais. Bah oui. Qui? Forcément, je me cache pas à ce point. Ouais. Enfin non, il se cache pas. On peut répondre à une autre question? Oui, on va prendre une autre question. Alors on va refaire, de toute façon, il y avait de la mouise. Alors attention. Toujours idole et fan. Oui, oui. Alors on va refaire, attention. Louis, regardez bien, vous allez répondre à une question magnéto. Un, deux ou trois? À la trois me paraît bien. Trois, trois pas mal. Vous seriez plutôt du genre Rambo ou Woody Allen? À ton avis? Moi, je dirais Rambo. Rambo, ouais. À vue de nez, c'est Rambo. À vue de nez, Rambo. Ah ouais, vous êtes... Non, je crois pas. Stallone a l'air d'une crevette à côté de vous. À vue de pif, je suis Woody Allen. Woody Allen, plutôt. Ouais. Voilà, Woody Allen. Très bien, Patrice. Alors, vous savez que ça commence ce soir, la Coupe du Monde de football. Hein. Bah, tiens, si on le sait. Alors, on dit qu'il n'y a pas d'équipe française, mais il y a une équipe française, ou pratiquement, c'est l'équipe du Cameroun, parce qu'elle est entraînée par Henri Michel. Et dedans, il y a deux gardiens qui jouent en France. Mm-hmm. Un gardien qui joue à Metz et Bell qui joue à Saint-Etienne. Et puis il y a trois joueurs qui sont, il y a des attaquants qui jouent tous en France, à Lens, etc. Et alors il y a une petite chanson, un petit hymne du Cameroun. Je vous en propose quelques secondes. Bien sûr. Voilà. Bon, pas mal. Non, c'était un petit clin d'œil. On a compris. Un petit clin d'œil au Cameroun. On est donc Camerounais. Voilà, grosso modo. En tout cas, voilà. On les soutient évidemment pour la Coupe du Monde. Hein. Ils vont aller loin, le Cameroun, en Coupe du Monde? Et bon, on verra ça. On verra ça dans quelques jours. Marc Giraud, on a vu presque passer tout à l'heure et qui est venu nous rejoindre. Bonjour Marc, comment ça va? Marc est le spécialiste ici, présentement, des animaux divers et variés. Et de la nature. Et de la nature plus particulièrement. Car Marc Giraud, Patrice, il est rédacteur en chef du magazine Hibou. Coucou. Vous voulez voir la gentillesse de nous parler d'espèce de chose qui est à côté de vous et que nous allons. L'espèce de chose, c'est un ragondin. Mais il est albinos, c'est pour ça qu'il est blanc. Hein. D'habitude, ils sont marrons. Mm-hmm. Celui-là, c'est une mutation génétique. Hein. Mm-hmm. Ce qui est intéressant chez cet animal, c'est l'adaptation à la vie aquatique. Vous remarquez que les oreilles, les yeux, les narines, tout est en haut. C'est-à-dire qu'il peut nager, il entend, il voit tout. Et les mamelles sont situées dans le dos. C'est-à-dire que les petits peuvent nager accrochés aux mamelles derrière. Parce que ça nage. Et suivre le... bah, ça nage, ça vit dans l'eau, le ragondin. Ça va même sous l'eau, ça s'immerge. Oui. Ça reste même plusieurs minutes sous l'eau. Ah, oui, bien sûr, c'est un animal entièrement aquatique. Sans eau, c'est façon ramusqué. Voilà, c'est façon, la même famille que ça. Myocastor et tout ça. C'est le myocastor. Ah, c'est le myocastor. Oui, c'est son nom latin. Albinos. Bravo. Oui, ah, albinos. Très bien, d'accord. Ouais. C'est machin. Un albinos. Très voilà. Bien. Alors celui-là. Si vous avez des étangs à la campagne, vous avez forcément des trucs comme ça, peut-être pas blancs, mais marrons. Ça vit en France? Il y en a partout. J'en ai vu en Camargue, j'en ai vu en Brière, j'en ai vu en Brenne, il y en a partout. Par milliards. Mais c'est un animal qui vient d'Amérique du Sud, qui a été importé pour la fourrure et qui a complètement pullulé. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. En fait, c'est des casse-pieds de la nature, ceux qui arrivent, qui débarquent et qui prennent toutes les niches écologiques d'autres animaux. Eux, par exemple. En plus, c'est des prédateurs étonnants. Ils mangent des œufs de canard, ils mangent les canards, ils mangent des petits bébés, les poussins. Ils sont surtout végétariens, mais ils prennent la place, quoi. Ils mangent les œufs. Oui. Ah, bah, c'est quand même principalement des rongeurs. Oui. Mais enfin, ils mangent les œufs quand même. Oui. Moi, j'avais des œufs, ils m'ont mangé mes œufs. Voilà. Allons bon. Ragondin. Ouais. Alors, ceux qui mangent des œufs aussi, ce sont les ratons laveurs. On va le voir aussi. Ah, on va le voir tout de suite. Ça, on ne peut pas le prendre à la main. Hein. C'est celui-là n'est pas très commode. Non, 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 il a l'air de faire une petite sieste. Oui, oui. On peut y tout à l'heure, il grimpait. Oui. On va aller le voir ou... Bien sûr, si vous voulez. C'est bête parce que j'ai un petit coup de caméra ici. Je ne peux pas l'emmener là-bas, si, je crois pas. À travers les barreaux. Si, peut-être bien. Si, sûrement. Mais on va aller voir Louis alors. On va regarder ma gorge. Oui. Alors, on va faire doucement. Hein. Oh. On va faire doucement avec le petit pépère. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, vous remarquez qu'il a les yeux entourés de noir. Il a un masque facial, c'est pour cacher les yeux. Il a une grosse truffe. Mais là, il est couché. Mais il n'est pas très à l'aise, le pauvre, là-dedans. Il ne faut pas le lâcher. Allez. Marc. Ah non, il ne vaudrait mieux pas le lâcher parce que celui-là, il est mort. Il n'est pas très sympa. Quoi. Comment ça, il est mort?
Oui, il mord. Ah, il mord. Ah, oui. Oui. Il a très mauvais caractère. Voilà. Là, sinon, il bouge encore. Hein. Oui, oui, ah, bah, ça, oui. C'est très, très agile. Hein. Est-ce que c'est rapide? Non, c'est assez lent, mais ça grimpe très bien, ça nage très bien, et ça a des mains surtout très très agiles, aussi agiles que les nôtres. Attention, attention. Attention, mettez pas votre doigt, Louis. Non. Oui, attention. Hein. Oui, attention. Et si ça mord, ça fait mal? Bah, bah, ça a des jolies petites dents. Hein. Mettez votre zigounette, vous allez voir. C'est comme les... Ça, c'est un raton laveur, c'est dommage, on voit pas sa queue. Quelle est la différence avec le castor? Le castor? Là, Titi. Rien à voir. Non, non, c'est celui-là. Comme ça, il a l'air câlin. Titi. Et pourquoi on dit raton laveur? Parce que ça lave? Voilà, c'est ça. Alors ils lavent leurs aliments. C'est merveilleux. C'est une manie qu'ils ont, mais en fait spécialement en captivité. Oh les griffes, les griffes, les griffes. Regardez les griffes. Ah, on voit la truffe. Je sais pas si on voit les griffes. Bon, rien. Si on les voit. Grosse gris griffe. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il n'a pas l'air content de nous voir. Ça ne s'apprivoise pas du tout, si. Si, en Amérique, où il y en a beaucoup, ça s'apprivoise très, très bien. Hein. Il se couche. Mais celui-là, en fait, il vient d'un particulier qui l'a acheté chez un marchand, pensant que c'était un jouet. Il s'est aperçu que c'était un animal nocturne qui ne sentait pas très bon, qui mordait. Et je déconseillerais à tout le monde d'acheter ce genre d'animaux. Où vit-il? Ce n'est pas un animal de compagnie. Où est-ce qu'il vit, ce petit animal-là? Alors, en principe, aux États-Unis. Non, mais celui-là. Celui-là vient d'un refuge belge. Près de Genappe, qui s'appelle l'Arche. Il n'est pas dans une cage comme ça et tout ça. Ah non, non, d'habitude, il est mieux. Hein. Celui-là, il n'est pas bien. Pauvre Titi, il a des griffes incroyables. Si vous avez un coup sur le blaire, tac, plus de nez. Et qu'est-ce que ça mange? Ça mange un peu de tout, mais c'est omnivore, donc ça peut faire des dégâts dans les cultures. Mais surtout, ça mange à l'intérieur de l'eau. Ça pêche à vue avec les mains. Enfin, pas à vue, justement, à l'aveuglette. Ça chope les écrevisses, les grenouilles, etc. Et c'est pour ça qu'en captivité, il continue d'avoir cette espèce d'activité de... compensatoire. Si vous voulez, le loup ou le renard en cage, il tourne parce qu'il a besoin d'exercice. Et lui, il a besoin de pêcher avant de manger. C'est pour ça qu'il met ses aliments dans l'eau. Dis donc. C'est pour lui rappeler la nature. Il est bien joli. Hein. Oui, il lave ses aliments. C'est pour lui rappeler la pêche de la vie sauvage. Mais même quand il n'est pas en captivité, il les lave. Non, 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 puisqu'il les attrape dans l'eau, c'est pas la peine. Et je les garde. Non, 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 c'est une... juste en captivité. Oui, c'est en captivité qu'il lave ses aliments. D'où le nom raton laveur? Oui. Ah, d'accord. Et puis là en plus, vu sa position, il peut facilement se gratter le ventre et tout ça. Ah, il se touche comme il veut. Ouais, il est très mignon. Très mignon. Comment il s'appelle? Ah, je ne sais pas s'il a un nom. Josian, il n'y a qu'à l'appeler Josian. Alors, ça, il y en a toute une population dans l'Aisne, en France. On en tue 100 par an. Ah, nous avons des amis de l'Aisne. Oui, oui, ça va. Alors, donc, vous les connaissez peut-être. Bonjour, les amis. Il y en a. Il y en a une grosse population qui est en train de d'essaimer partout en France. Il se multiplie. Très bien. Et alors, il y a plein d'animaux comme ça qui envahissent la France. Hein. Il y a le rat d'égout, il y a le cafard, il y a la tortue de Floride, le doryphore, le visant d'Amérique, le rat musqué, le ragondin, le raton laveur, les écrevisses américaines, l'écureuil de Corée, le poisson-chat, la grenouille taureau. Il y a le ragounias aussi. Oui, absolument. Le lapin sylvilagus, le colin de Virginie, la tortue mauresque, le rat sacré, etc., 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 etc. Il y a le râteau. Oui. Il y a le... Qui pullule. Il y a le rabatteur. Il y a le ramage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a le plein. Rabatteur. Hein. Il y a le rabatteur, bien sûr, oui. C'est un rat qui bat comme ça. On peut croiser un kangourou, par exemple, en forêt de Rambouillet. Il y a des choses bizarres. Moi, j'ai vu une perruche à collier au bois de Vincennes qui est en train de s'installer, s'appelle Sophie. D'ailleurs, les ornithologues la connaissent bien. À Bruxelles, il y a toute une colonie de perruches qui très, très, très active. Il y a des rastaquaires. Oui, voilà. Aussi, hein. Alors, bon, le problème de tous ces animaux qui envahissent. Il y a des raminagrobis. Il y a des rabat-joies. Il y a des rabat-joies. Oh là là. Il y a des ratins à boulettes, il y en a plein. Alors je vais vous raconter l'histoire, par exemple, du troglodyte de l'île de Stéphane. C'est une histoire très triste. Le troglodyte, c'est un petit oiseau qui vivait dans une île. Ah non, c'est aussi quelqu'un qui vit dans les grottes. Oui, dans les grottes. Oui, c'est vrai, parce qu'il niche dans les haies et tout ça. C'est non, pour non, ça qu'on l'appelle. Personne. Les humains qui vivent dans les grottes, en Ardèche notamment, ça sont encore des troglodytes. Voilà, c'est le même nom. Donc c'est un petit oiseau qui vivait dans l'île de Stéphane. Oui, mais là c'est un humain dont je vous parle, moi, qui vit. Oui, absolument. Et moi, je parle d'un oiseau qui vivait donc dans l'île de Stephen, dans le Pacifique. Et il a fallu une seule année à un seul chat pour faire complètement disparaître cet oiseau de la surface de la planète. Oh, salaud. C'est-à-dire que quand on met un animal qui n'est pas adapté à un milieu, ça peut faire du dégât. Un an pour un seul chat. Ça, c'est pour montrer donc vraiment la catastrophe. Il y a des ratatouilles aussi. Oui, des ravins. Il y a des ratatouilles, il y en a un paquet. Hein. Il y a les abeilles tueuses aussi, qui a été un gros problème. Oh, ça, il a de la chance. Alors, regarde, il peut s'éplucher les doigts de pied avec les dents. Ça, c'est de la chance. Hein. C'est de la souplesse. Ah, c'est de la chance. Et pourquoi les chiens, par exemple, ils n'arrêtent pas de se lécher la quéquette? Ouais, mais c'est pas ce qu'ils peuvent.
excusez-moi. C'est quoi la grande différence entre le ragondin et le raton laveur? Ah, c'est pas du tout la même famille. Ça, c'est un rongeur. Il est beaucoup plus proche du castor, celui-ci. Hein. Mm-hmm. Le raton laveur, il serait proche, d'après les dernières découvertes, des ours et des pandas. Des ours, oui, ça ressemble à un ours. Oui, la différence entre le rabâcheur et le rabat-joie, ça n'a rien à voir. Hein. Bien sûr. Merci, Marc Giraud. Merci beaucoup. Ouais. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci. Franck, quelques nouvelles essentielles encore, s'il vous plaît, mon petit madame. Bah, comment on parle d'animaux dans... Allez-y. Comme on parle d'animaux dans La Dernière Heure, qui est un journal belge, on apprend que le gouvernement américain a déjà dépensé 300 000 dollars, ça fait quand même beaucoup d'argent. 300 000 dollars. Dollars. Pour savoir si les proutes de vaches ont une influence sur la couche d'ozone. Vous plaisantez. Non. Ça a été l'objet d'une discussion ici, d'un reportage, oui. Sur effectivement les flatulences de bovidés qui font des trous dans la couche d'ozone. Et je me rappelle bien que le jour où nous en avons parlé, nous étions nous-mêmes à cheval sur un taureau. Mmh, rappelez-vous. Absolument. Donc vous êtes tombés très gracieusement. Oui, ainsi que moi-même. Ainsi que moi-même. Eh bien, maintenant, il faut savoir qu'ils vont dépenser 500 000 dollars, donc c'est quand même beaucoup plus, pour savoir quelle est l'incidence des rots de vache sur la couche d'ozone. Non. La vache rotte. Le ratatouille et la vache rotte. La vache rotte. Ouais. Donc, il y a un gros débat qui s'organise, mais il ne faut pas se faire de soucis parce que d'après une université américaine, quel que soit l'argent dépensé, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'ils ont fait des études internes qui montrent que les proutes ou les rots de vache auraient la même répercussion sur la couche d'ozone qu'une ampoule de 75 watts, c'est-à-dire rien du tout. Voilà, donc je voulais apporter... Pour une vache. Et pourquoi une ampoule de 75 watts? Pourquoi 75 watts, ça fait rien du tout? Une influence sur la couche d'ozone. C'est une influence, l'ampoule de 75 watts sur la couche d'ozone? Très peu, pratiquement rien. Et les proutes et les rots de vache, ce sera pareil. Oui, mais par vache, ça fait combien d'ampoules? Une ampoule de 75 watts. C'est-à-dire qu'en fait, un rot de vache, c'est 75 watts. Rot et prout, il faut cumuler les deux. En fait, si on n'a pas d'électricité, on prend une vache, claque, on peut bouquiner au lit. Non, t'as pas compris. Non, j'ai pas compris. Non, ça éclaire pas. Ça ne doit pas être ça. Non, ça ne doit pas être ça. Et puis alors, il y a un nouveau journal qui vient de sortir, qui est dans la lignée d'Infos du Monde, des nouvelles surprenantes et tout ça. Ça s'appelle Actualité Hebdo. C'est le numéro 1. Alors, on apprend qu'il y a une femme qui est enceinte dans le dos. Ouais. Oh. Ce qui n'est pas banal. Hein. Ce qui n'est pas banal. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'ils ont fait une enquête qui prouve que 85% des chauves sont des bruns. Ah oui. Donc c'était un élément que je voulais vous apporter. Très bien, voilà. Je vous rappelle que vous êtes brun. Oui. Très bien, au revoir Franck, merci beaucoup. Applaudissements, la publicité, Louis Bertignac, Patrice et votre serviteur, à tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de retour pour cette dernière partie du stand de la maison de la radio de Coucou, c'est nous bien évidemment, avec Louis qui nous accompagne, Bertignac, Patrice et Franck. Patrice, nous allons prendre immédiatement les gendarmes pour le ni oui ni non du vendredi. Vous allez bien nous aider, Louis. Préparez déjà vos questions à l'avance. Des questions où, évidemment, il va falloir lui faire dire oui ou non. Vous avez déjà joué ni oui ni non? Non, c'est rare. Perdu. Bien. Si ça tombe bien, c'est Saint-Claude. Non, bah, moi, je peux dire oui ou non. Oui, vous avez le droit de dire Saint-Claude, oui ou non. Saint-Claude, on le fait les pipes. Comment? Saint-Claude, spécialiste de la pipe. Capitale de la pipe. Capitale de la pipe, qu'on serait trop conseillé, bien sûr, pour les vacances. Dans le 39, c'est-à-dire le... Même le soir. Gendarmerie de Saint-Claude, bonjour. Bonjour monsieur, Christophe de Chavannes à l'appareil, coucou c'est nous. J'ai à côté de moi Louis Bertignac. Bonjour monsieur. Patrice Carmouze. Bonsoir. Et Franck. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêt pour un ni oui ni non monsieur? Sachant que nous enregistrons cette émission qui sera diffusée vendredi. Pardon? Sachant que nous enregistrons cette émission qui sera diffusée vendredi. Ah d'accord. Ok. Alors monsieur, êtes-vous prêt pour un ni oui ni non? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut encombrer cette ligne ou est-ce qu'il nous faut passer sur une autre ligne? Je vais peut-être vous faire passer sur une autre ligne. On va faire comme ça, je vous attends, monsieur. Une excuse? Comment? Ah oui, ils appellent le spécialiste, toujours pareil. Ils ont un gars en gendarmerie qui est formé, ni oui, ni non. Donc, il est là, le spécialiste? Ça va être dur. Générique et tout quand il arrive. La gendarmerie accueillante. Non, ça sent, c'est moi. Générique pour l'arrivée du spécialiste. Non, mais c'est là. La compagnie. C'est quand t'es comme ça au bord de la route. T'entends. Allô? Allô? Il est là. Allô? Allô, gendarmerie? Ouais. Vous êtes le même jeune homme que j'ai eu tout à l'heure ou je me représente à nouveau, monsieur? Non, je vais représenter. Je me présente, de Chavannes, Christophe, à 23-01-58, Paris. Coucou, c'est nous, à côté de moi, Louis Bertignac, ex-téléphone, chanteur individuel solitaire. Bonjour. À ma gauche, journaliste spécialisé international, Franck Schlesinger. Bonsoir. Affirmatif, Patrice Carmouze, cheveux gris, poils dans les oreilles. Bonsoir.
Très peu. Très peu. Très peu. Très peu, une petite touffe. Monsieur, êtes-vous prêt pour un ni oui ni non? Deux secondes, ne quittez pas. Oh, dis donc. Ah, non. Je vais vous laisser pour vérifier. Ils vont nous passer une troisième personne, il va encore falloir se présenter et tout ça. Dis donc, mettez vos mains sur la table. Oui. Touchez pas. Comment? C'est quoi? C'est quoi? Mais c'est Christophe. C'est pas quoi, c'est qui? Vous êtes là, monsieur? Je m'excuse, je meublais en attente. Oui, c'est bon. C'est bon, vous me dites. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous êtes prêt? Je suis prêt. On va jouer? On joue. Vous n'avez plus le droit de le dire, ok. Vous avez déjà joué, ni oui ni non? De temps en temps. Ça vous est déjà arrivé en famille? Quelquefois. Vous avez des enfants? Pas du tout. Quel est votre prénom? Jean-Pierre. Vous êtes jeune? Assez. Vous êtes carrière ou stagiaire? Carrière, oui. Carrière, depuis combien de temps? Carrière, oui. Il a dit carrière, oui. Deuxième chance? Deuxième chance. Il n'était pas mauvais, on va faire une deuxième chance. Vous avez combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants? Pas du tout. Aucun? Aucun. Vous n'avez jamais essayé? Pas encore. Oui, je suis sec. Allez-y. Mais vous riez souvent? Quelquefois. Est-ce que... qu'il rit dans la gendarmerie. Ah oui, quand un gendarmerie, dans la gendarmerie, alors là, dans la gendarmerie. C'est ça, mais gendarmerie. Vous entendez tous ensemble? Comment? Vous entendez bien avec votre chef? Bien. Bien, bien ou... Bien, bien. Bien, bien. On dira bien, bien. Combien vous êtes dans la gendarmerie? 11. Vous êtes 11? 11, c'est ça. Et vous êtes les 11 à sortir quand il y a un pépin? Pas souvent. Vous êtes plutôt dans les bureaux, sur le terrain? Sur le terrain. Vous y allez souvent sur le terrain? Vous aimez c'est ça, la gendarmerie d'où, exactement? Ah oui, vous êtes d'où? Saint-Claude. Ah, spécialité, la pipe, c'est ça? La pipe, c'est ça. Et le diamant. Bien sûr. Vous êtes marié? En concubinage. En concubinage? Donc vous avez une fiancée? C'est ça. Vous êtes amoureux? Un peu. Beaucoup? Passionnément. Vous allez vous marier peut-être avec elle? Peut-être. Vous êtes fidèle? Bien sûr. Vous êtes sûr? Sûr, certain. Vous avez gagné. Il a gagné. Bravo. Bon, d'accord. On est sympa. D'abord, on est gentil parce qu'il a dit un petit oui en début, mais bon. Il est bon. Bien, c'est bien, un. Vous avez quoi? Quel est votre prénom? Rappelez-le moi. Jean-Pierre. Jean-Pierre. À partir de maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous êtes un des meilleurs de l'année, hein? C'est un bon. Un bon. Et grâce à ça, vous avez gagné déjà. J'ai fait gagner déjà à la gendarmerie un téléviseur stéréo Kaishui 71 cm, pulse câble, Black Matrix. Déjà. Déjà. Ça, c'est pour la gendarmerie, le chef. Et les 10 camarades. Tout. Okay, ok, merci déjà. Attendez, oui, nous, là, en plus de ça, une croisière orientale, Jean-Pierre. Pour deux personnes, avec Costa Croisière, donc justement la concubineuse, durant 10 jours, vous naviguerez sur l'Eugenio Costa, Italie, Égypte, Israël, Chypre, Grèce. Vous visiterez Alexandrie, Rhodes, Cythère et Naples. Et vous profiterez bien sûr du practice de golf et de toutes les activités sportives qui sont à bord de ce magnifique navire. Bien évidemment. Mais pour garder des souvenirs, Louis, figurez-vous que Jean-Pierre va pouvoir emporter avec lui ce que Patrice est en train de lui présenter, c'est-à-dire... Le 1S100 d'Olympus. C'est un réflexe autofocus avec 4 modes de prise de vue préprogrammés. Et alors, il suffit d'appuyer, quoi, flash automatique et tout. Et tout ça, programmé, objectif 28 mm jusqu'à 110 mm, c'est-à-dire que c'est un gros zoom. Ah oui, gros zoom. Gros zoom. Ça, y a... Vous allez montrer ça à votre fiancé. Gros zoom, ouais. Et c'est automatique et vous nous enverrez une carte postale, Jean-Pierre? Ouais, ok, c'est promis. Et une pipe? Comment? Ah oui, mais 50 francs. Non, mais c'est vrai? 50 francs. Petite pipe de Saint-Claude. Une petite pipe de Saint-Claude, ça nous ferait plaisir. Ouais, ouais aussi, bah promis. Ah oh, oui, soyez gentil, une petite pipe. C'est promis. Allez, soyez sympa, Jean-Pierre, une petite pipe. Pour chacun. Hein? Oui, quatre. Chacun. Hein? Qu'on en ait chacun une? Après ouais. D'autres. Bah, bien sûr. Non, ou ensemble, il fait un colis. Il fait un colis pour tout le monde. Bien sûr. Merci en tout cas, Jean-Pierre. Merci. Applaudissements pour lui, il a gagné. Merci. Vous êtes toujours avec la gendarmerie de Saint-Claude. Saint-Claude. Bonjour. Maintenant, activité sportive oblige. L'été s'approche. Vous allez probablement aller à un moment donné au bord de la mer. Peut-être. Franck. Sûrement. Patrice. Possible. Éventuellement. Et donc, si vous allez au bord de la mer, vous avez besoin de vous entraîner. Car qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arriver au bord de la mer si vous avez comme ça un mou du genou et puis la tête dans le sac? Ça ne va pas. On n'est pas bien. On n'a pas le corps formé. On a l'air con. On a l'air couillon. On n'a pas le corps formé. On n'est pas habitué à marcher dans le sable, dans les cailloux, avec des ustensiles, des nouilles. La nouille, très importante en bord de rivière. La nouille, c'est les chaussures en plastique. Ah, oui. On se met au pied pour aller marcher dans les caillasses.
Donc nous allons rejoindre immédiatement, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Anne-Béatrice. La voilà. On porte la table qui bouge normalement. Bonjour. 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 Bienvenue. Dites bonjour, Anne-Béatrice. Bonjour. Franck. Bonjour. Bonjour. Bien, nous allons vous rejoindre, Anne-Béatrice, immédiatement. Oui, elle a pas le... Alors, de quoi s'agit-il, Anne-Béatrice, aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a plutôt tendance à bronzer, dit-on, idiot. Oui, ça, on s'allonge, on fait la crêpe et on brûle. Alors pour remédier à ça, on va de temps en temps se rafraîchir. Or, pour passer du sable à la mer, je vous propose quelques éléments sportifs qui vont vous permettre d'avoir bonne contenance. D'accord, voilà. C'est pour ça, c'est, vous avez piqué des pattes à un canard. Pas vraiment, non. D'ailleurs, on vous en a réservé aussi. Christophe, celle-ci... voilà celle-ci pour Franck. Pour Franck. Pour Patrice. Ça, c'est pour Franck, ça. Voilà. Celle-ci pour Christophe. Alors, ça, c'est pour Louis. Pour Louis. Ah. Hop. Patrice, s'il vous plaît. Ah, c'est jaune, moi. Voilà. Pour enlever tout, chez chaussures, chaussettes. Tout. Absolument. Ah bon? Ah oui, oui. Aussi. S'il vous plaît. Chaussettes aussi. Et oui, il faut faire dans les conditions du réel. Oui, oui, bien sûr, mais est-ce qu'elles ont déjà servi, les palmes? Ah non, 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 non. Il n'y a pas de champignons? Non, non. Ah oui, faut faire attention avec ça. Alors, pour ce faire, je vous propose... Il y a un micro qui frestouille. De faire deux équipes. Deux équipes. Deux équipes. Alors, pour faire ces deux équipes, parce qu'en fait, il faut... Il y a toujours un élément de compétition. Alors, alors, je vous demande de rejoindre Venez la mer. Venez, les garçons. Mais attendez, parce qu'on va y aller en deux équipes, et il va falloir faire une course. Ah. Ça va être un véritable rallye. Ah. Alors... on se met donc deux par deux, ou il va y avoir une équipe qui va être un peu avantagée. Patrice et Franck et Louis et moi. Bon, très bien. Et alors, ou l'idée, comme, je sais pas, vous aviez oui, peut-être... Oui, je vais me mettre avec vous. D'accord. Voilà. Ah, oui, nous, on veut bien d'une fille, ça manque de filles. Hein, bon, très bien. Dans l'équipe. Donc l'idée, c'est de faire l'aller-retour, mais un aller en marche avant et un aller en marche arrière. Parce que vous savez aussi que faire de travailler avec les palmes, que ça va vous faire travailler des muscles très importants, qui travaillent aussi en rétro-pédalage. Ah, bah, chier dessus, la mouette. Dis donc. C'est la mouette. Hein. En fusil. Alors, donc l'idée, c'est que vous allez voir, vous allez avoir des mouvements de jambes dont vous ne soupçonnez pas l'importance. Oh. Ben, j'imagine bien. J'imagine bien, Anne-Béatrice. C'est la fixation. Bon, vous êtes prêts? Oui. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? On va. Attendez, laissez-la faire deux secondes qu'on rigole. Allez-y. Venez, Anne-Béatrice, revenez. Moi, je fais l'arbitre. Non, non, revenez. Bon, alors, vous n'oubliez pas qu'on marche en reculant. Le premier qui triche, alors, déjà, vous nous montrez comment on court, pour voir le geste. Reculant. Montrez-nous non, la moi course. Moi, je fais l'arbitre, c'est moi qui fais... Non, non, montrez-nous. Allez-y. Oh non. Assumez, Anne-Béatrice. Bon. D'accord. Vous n'avez pas l'air ridicule bon. Du tout. Merci. Vous le faites bien. Vous le faites très bien. Or donc... Vous pourriez remonter vos pantalons, les gars. Si on est à la pêche en moule, on n'est pas en costard. Je ne sais pas si je vais me mettre avec vous. Vraiment, il le faut. Bon. Alors, attention. Allez, un gros pas. Allons-y. Une fois que vous y serez, vous marchez à reculons, d'accord? Ok. Allez, allons-y. Alors, on est en équipe. On commence par reculons ou non, 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 vous commencez en marche avant. D'accord. Allez-y. Allez, on... C'est bon, à reculons, à reculons. Galère. Patrice, le décor, Patrice. Attention, Christophe. Hop, bon. Hop. C'est Patrice qui a fait ça. C'est fini. C'est Patrice. Hop. Attention. Maintenant, promptement. C'est très difficile. Hein? Un peu fastoche. Promptement, vous enlevez les palmes. Promptement. Promptement déjà. S'il vous plaît, c'est très important. Bien desserré. C'est bon. Et maintenant, c'est une course de saute-mouton. D'accord? Hein? Saute-mouton. Oui, alors on est trois, donc nous, on a plus de chances d'arriver beaucoup plus vite qu'eux. Vite. Oui. Allez-y. Ah, vas-y. Par où? Par où? Dites donc. Non, saute-mouton, allez. Ah. Voilà, c'est bon. Vite, accroupis-toi. Hop. Bouge pas. Ah, mais... Non, on va tricher. Vas-y. Le retour. Vas-y, micro, attention, je marche dessus. Alors je... Ah je peux pas dans la poche. Eh ben alors on a gagné, hein. On a gagné nettement. Bah attendez, on a eu un problème technique, les gars, on a eu une panne. Oui. On a gagné nettement. Oui, enfin, on l'a refait. Attention, parce qu'il va retomber on si vous le passez. Oui, on l'a refait. Il tombera pas, là. Non. Bon, on l'a refait. C'est bon? Plus haut, ok. Prêt? En plus, ils sont épuisés. Attends. Ah non, non, non. Dis donc, Hop. Non, équidistant. Voilà. Je rappelle que ce n'est pas un match de rugby, Patrice. Baissez-vous. Attends. Les gars, Patrice, 1, 2, 3, hop. Louis, c'est bon. Rentrez la tête. Oh, je rentre la tête. Aïe, oh la vache. On te laisse sur pied. Attention. Ouais. On a gagné. Allez, on a gagné. En fait, c'est plus dur à deux. C'est plus dur à trois. Attendez, parce que maintenant, il y a une épreuve suivante, évidemment, parce que vous savez que quand on est arrivé encore une fois,
On se repose un peu. Ouais, le ralenti, on voit le ralenti, on voit le ralenti, magnifique. On n'a pas l'air couillon du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors je vous rappelle que le saute-mouton sert évidemment à travailler les écarts, parce que là vous êtes forcément obligé. Travailler le mouton, surtout. Voilà. Travailler surtout le mouton. Bon, alors l'idée ensuite, c'est qu'on part en brouette. Bon, alors là, je vais faire le. Parce que je vais vérifier un petit peu là, comment ça se passe. Non, non, faites la brouette qu'on rigole. Faites la brouette. Non. Voilà. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, ça sent, mais c'est bon. J'avance ? Oui. Attends, on va passer. Stop. Hop. C'est bon. Je bouge plus. Christophe ! Là, je bouge plus. Faites quelque chose. Bon, donc, passage d'obstacle. Qui fait la brouette ? Ben, un des deux. Ah, celui qui a mal aux épaules, il fait comment ? Il tient les bras. Il tient les jambes. D'accord, je vais tenir les jambes. D'accord. C'est bon. Oui. Oui. Non, attends, on va mourir là. Ah bon ? Alors, on va vous nous montrer et nous on apprécie. Eh ben, c'est bien. Brouette. Bon, ben alors on le fait quand même en course parce que c'est pas drôle autrement. On n'a pas fait la brouette en course, on va mourir. Bon, allez, on fait la brouette. Allez, on fait la brouette. Allez, allez, arrive. Après vous faites la. Oui, mais alors avancez. Bon, ça va. Ah, allez. Non, oui. Allez, Louis. Ouais. Fais bien. Hop, 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 hop. Allez, on y va. Oui, avance, attention. Attention. Allez, Louis. Vas-y, Louis. On est en retard. Avance, Louis. Allez, Louis. Avance. Louis. Avance, Louis. Louis. Oui, 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 oui. Allez, 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 allez. Allez. Merci, bravo. Bravo, nous sommes en train de nous quitter, mesdames, messieurs. Vous dites au revoir à Louis Bertignac qui est ici. Merci à Anne-Béatrice. Son dernier album, vous savez, chez tous les bons disqueurs. Et il est en tournée à travers la France. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Portez couvert surtout. Soyez prudents, heureux. Merci beaucoup. Au revoir.